Celle que je vais vous faire, c'est pour à peu près deux tartes, deux, trois tartes de 6-8 personnes. Alors moi, je vais le mélanger avec une feuille et au robot, évidemment, vous pouvez la faire à la main. Vous suivez les mêmes règles, sauf qu'au lieu du robot, ce sera vos mains. Donc, on va commencer par mettre 150 g de sucre. De toute façon, je vous remarquerai la recette, hein, vous inquiétez pas. Donc, 150 g de sucre. On va rajouter une cuillère à café de sel, puis le beurre qui sera ramolli. Alors le beurre, il vous en faudra 250 g. Alors le beurre est ramolli et on le coupe en petits morceaux. Voilà, on peut commencer à mettre en marche. Petite vitesse pour que tout ça se sable. Il faut qu'on obtienne une pâte avant de rajouter les œufs, quelque chose d'assez lisse. On va donc aller un peu plus vite. Voilà, le sucre et le beurre ainsi que le sel sont bien mélangés ensemble. On va maintenant rajouter deux œufs. Et on continue à mélanger tranquillement. Vous allez obtenir une pâte assez, assez lisse et assez molle. On va maintenant rajouter 500 g de farine petit à petit. Alors je vous fais voir, hein, je ne vais évidemment pas faire la totalité, la vidéo serait trop longue. Donc 500 g de farine et on rajoute petit à petit jusqu'à obtenir une pâte plutôt bien consistante. Voilà, on a une pâte quasiment homogène. Comme vous pouvez le voir, au fond, il n'y a quasiment plus rien. Alors, quand on va la reprendre l'ensemble, on va remélanger un petit peu avec la main. Mais là, c'est bon, vous pouvez arrêter. On fait une petite croix sur le dessus pour qu'elle se détende plus facilement. Et on filme et on met au frigo. Et on attend une heure avant de commencer à la prendre pour la travailler. Vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai sorti ma pâte du frigo, ça fait à peu près une heure qu'elle repose. Et je l'ai étalé. Alors comme vous pouvez le constater, c'est relativement épais, hein. Il faut que ce soit plus épais qu'une pâte traditionnelle, sinon ça va casser et ce serait pas bon, et surtout qu'elle ne lève pas ni rien. Donc on fait en sorte que ce soit pareil de chaque côté. Alors moi c'est pour un moule de 4 personnes, donc là ça va suffire. Donc ce qu'on fait, on prend la pâte avec le rouleau. Voilà, de façon à ce qu'elle soit plus facile à étaler. On prend un moule que vous aurez beurré au préalable. Alors évidemment, vous pouvez prendre un moule avec un fond, hein. Il vous suffira juste de la démouler par la suite. C'est pas un problème. Et on va venir dérouler la pâte directement sur le moule. Alors après, il reste plus qu'à foncer, hein. Foncer c'est pas compliqué. On vient enfoncer tout en... Vous voyez, je prends la pâte et je l'enfonce. Et avec l'autre pouce, je le plaque contre la paroi. Voilà, j'enfonce, je plaque. J'enfonce, je plaque et on fait ça jusqu'au bout. Voilà. Quand on arrive au bout, on replie chaque côté et on va faire un petit peu de nettoyage, on enlève le surplus et là on vient redonner un petit coup pour que ça fasse quelque chose de propre. Alors je vais essayer de faire, voyez, avec les deux doigts on vient faire comme si c'était une pince et on vient pincer et ça fait quelque chose de propre pour finir. Voilà, donc maintenant, on va passer à la cuisson. Alors, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Évidemment, on va faire une cuisson sèche, c'est-à-dire qu'on va rien mettre dedans. On va juste donner des coups de fourchette pour éviter que ça gonfle, mais pas que.
Moi, j'ai des petites billes en céramique. Si vous en avez, vous pouvez en mettre au fond quelques minutes après le début de la cuisson pour que vous êtes comme ça, vous serez sûr que rien ne lève. Si vous n'avez pas de billes, je vous conseille de mettre des petites cuillères en ferraille ou des fourchettes si vous avez quelque chose de plus grand. Ça marchera aussi très bien. Mais le fait déjà de la piquer, en théorie, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà, on pique partout. Et c'est parti pour mettre au four. Pendant ce temps-là, on va faire la crème. Là, le lait bout, comme vous pouvez le voir, il monte. On va donc maintenant le mélanger à la préparation. Comme vous pouvez le voir, la préparation commence déjà à épaissir. On va maintenant remettre la préparation dans la casserole sans rien oublier. On baisse un peu le feu le temps que l'on fait ça. Sinon, ça va bouillir trop vite. Voilà. Et on mélange à feu doux, il faut que ça boue. On mélange à feu doux pendant 3 minutes, de 3 à 5 minutes pour bien que la crème soit bien bouillie et qu'il n'y ait pas de problème avec les germes. On peut rajouter quelques gouttes de vanille. Voilà, la crème est prête. On va donc maintenant, ainsi que le biscuit, on va donc maintenant mettre la crème dans le biscuit sans en mettre de trop. Voilà, on l'étale de façon à ce qu'il y en ait à peu près partout et à peu près partout pareil. Voilà. On met la crème qui reste de côté. Vous pouvez vous en servir ou la manger comme ça. Hein. Donc maintenant, on va... Alors moi, j'ai choisi de découper les fraises en deux. Évidemment, vous pouvez très bien mettre des fraises entières et les poser les unes à côté des autres. Hein, ça marchera très bien. Moi, j'ai choisi de les découper en deux et de faire une sorte de petite rosace avec. Alors pour cela, c'est simple. On vient les déposer les unes à côté des autres en formant un rond. Alors si ça tombe comme là, on évite de la mettre parce que ça ne sera pas joli. Alors après, les tailles, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Vous prenez les fraises que vous avez, c'est une tarte fait maison. Hein. Donc on fait ça jusqu'au bout. Et hein, il n'y a vraiment pas de difficulté. Alors j'insiste sur le fait que c'est une tarte, les fraises ne sont pas recuites. Hein. C'est pour ça qu'on cuit d'abord la pâte. Après, on vient remettre des fraises à l'intérieur et on continue ainsi. Continue ainsi jusqu'à la fin.